Avec moi, t'as rien à perdre, parce que je vais te faire un deuxième trou du cul avec ton sang, je vais repeindre les murs et jouer au tennis avec tes bulles. Si ça téléphone, décroche pas ma conne, ta gorge, mets la tranchée, ton cul, je vais le défoncer. Je vais faire de ton prépuce une capuche pour les puces. Peace. Eh bien bonjour à tous, c'est Castilix et on se retrouve sur Warframe. Et oui, et aujourd'hui c'est pour vous présenter le nouveau skin d'Oberon. Et oui, donc là, vous vous demandez pourquoi je vous dis ça. Et puis du coup, je suis avec le vieux skin. Le vieux skin immortel, qui est déjà plutôt joli. Et oui, Oberon, notre petit paladin. Donc du coup, voilà, on a une petite mise à jour hier. Et oui, et c'était pour présenter le nouveau skin d'Oberon. Celui du Hackenbrunt. Yes. Ou du James Blunt. Non, désolé, c'était tout pourri. Et du coup, du Paris, ou Paris Prime, comme vous voulez. Donc, écoutez, on va faire un petit tour de magie. Et oui, c'est parti. Voilà, c'est plutôt beau. Donc voilà, le nouvel Oberon. Et oui, ou comme il est beau, avec ses petites feuilles sur la tête. Et oui. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez voir, il y a un nid qui est en train de se faire sur les branches. Et oui, un petit oiseau va arriver. Donc, blague à part. Donc voilà, donc ça c'était le nouveau skin. D'ailleurs, on va le voir un petit peu plus en détail, ce qui va être plutôt sympathique. Donc, le voilà. Et oui, petit Oberon. Donc le skin est plutôt sympa, moi je le trouve vraiment très joli. Ouais, il y a rien à dire. Donc, nous avons... Donc le Feyarch, et oui, le Feyarch, ce sont les frères de Treyarch. Bref, désolé pour l'humour à deux balles, je suis fatigué. Donc du coup voilà, on a le casque, on a l'aspect Oberon Feyarch qui nous donne un peu tout ce skin, qui est vraiment très joli, moi je trouve vraiment sympa. On dirait des ailes de papillon devant, c'est tellement beau. Oh oui. Bon, je vais pas faire un orgasme non plus. Allez, du coup, il y a le Paris Prime aussi qui a eu le droit à un petit relooking. Et voilà, l'aspect dryade d'ailleurs. Donc, très joli, hein, plutôt sympathique. Un peu boisé aussi, c'est... Voilà, donc ça va avec. Hein. On a eu aussi le Hackenbrunt. Yeah, le Hackenbrunt. Alors non, c'est pas ça que je voulais. Parce qu'en plus, le bordel, il est buildé comme... comme rien d'ailleurs, c'est ça, c'est simple. Donc le voilà, donc ça c'est l'aspect Hackenbrunt Dano ou Danos. Voilà, donc qui est plutôt joli aussi, hein, moi je trouve très très beau. C'est joli avec le bleu et le noir. Là c'est plus rouge et noir, c'est bleu et noir, bref. Donc voilà, donc c'était pour vous présenter cette petite mise à jour avec notre petit Oberon un peu plus boisé et du coup a des jolies feuilles. D'ailleurs c'est le printemps, c'est pour ça que ça pousse d'ailleurs sur ses bras, sur sa tête. Bref, donc du coup ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira sur Oberon. Voilà, et que ce petit skin, bah laissez-moi un petit commentaire d'ailleurs pour me dire si le skin vous plaît ou non. Moi perso je le trouve joli, fallait oser, etc. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt, c'était KCX, ciao ciao.